Le riz de Goma était en effervescence tôt mercredi matin. Les adeptes d'une église locale prônant les valeurs ancestrales africaines ont appelé à une manifestation pour exiger le départ de la MONUSCO. Selon des témoins oculaires, les forces de sécurité ont pris d'assaut une station de radio appartenant à la secte. Sur place, 6 adeptes ont été tués et plusieurs blessés. Ils étaient des militaires en tenue. Ils sont arrivés en jeep et se sont introduits dans cette parcelle du pasteur de l'église. À l'intérieur, ils ont démoli les installations de la radio et emporté les metteurs. Cette situation a été à l'origine d'une paralysie totale des activités. Le bus des transports en commun n'ont pas fonctionné et seuls les motocyclistes ont pu faire la navette. Certains défenseurs des droits de l'homme ont qualifié cette répression de sanglante. Bigiris Agil a condamné le comportement des services de sécurité face à la population civile. Les Congolais ont le droit de manifester pacifiquement. Il est regrettable de voir des civils désarmés dans les manifestations en train de se faire tuer. On tire comme si les fils de ces pays s'était transformé en rebelle. Ce comportement du gouvernement congolais nous désespère. C'est un comportement qui nous montre que nous, les populations de l'Est, qui souffrons depuis longtemps, nous sommes négligés. L'armée congolaise, par la voix de son porte-parole, laisse attendre qu'il y a une main noire derrière ces soulèvements. Le colonel Guillaume Djike, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, salue quant à lui le professionnalisme de l'armée congolaise. Ces jeunes gens drogués, payés avec l'argent, ont tenu à insécuriser dans la nuit de ce mercredi tente la ville de Goma et des environs. Et les forces armées de la République démocratique du Congo ont d'une manière très professionnelle opéré parce qu'ils étaient armés jusqu'à neutraliser ceux qui sont avec moi ici. L'église, la foi naturelle authentique messianique vers les nations, connue sous le nom d'église de Wazalendo ou patriote en Swahili, a organisé depuis le début de cette année plusieurs activités devant les installations de la mission de l'ONU. Des rites ancestraux ont été pratiqués sous la surveillance de la police, mais ce mercredi 30 août, tout a tourné au vinaigre. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.